Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes cliniquement morte pendant 22 secondes. Comment je m'en suis sortie? Salut, vous êtes encore en vie. Venez tous au bloc Sam, Ryder est réveillé. Vous parliez avec qui? Sam. Je l'ai pas entendu. Bonjour. Regardez-la. Et là. Mon père. Où? C'était lui ou vous? Il a fait son choix. Je suis désolée. Je sais que ça doit être un choc. Je ne peux pas croire qu'il soit plus là. Tout se passait bien et l'instant d'après, il... Je sais qu'il pouvait être distant, mais il m'avait dit que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc Sam? Sam fait partie de vous maintenant. Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Votre cerveau en a souffert. Sam? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ça ne devrait pas être Cora? En théorie. En réalité, vous êtes la nouvelle pionnière. C'est une plaisanterie? Ouais, le problème. Je pense que vous en êtes capable. C'est quand même contraire au protocole. Cora, ça ne vous pose pas de problème? Je ne m'opposerai pas à la décision de votre père. De toute façon, vos avis n'ont guère d'importance. Sam est profondément lié à votre esprit. Défaire ce lien risquerait de vous tuer. Je sais que c'est dur, mais on doit penser à ce qu'on va faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Notre arche dérive toujours? Justement. La tour que votre père a activée nous a sauvé la mise. C'est un genre de filtre d'atmosphère. Le nuage d'énergie s'est dissipé. On est en route vers le point de ralliement. On sera bientôt au Nexus. Elle a besoin de se reposer. Elle a 2 heures. On aura besoin de notre pionnière. Au fait, j'ai vu votre frère. Il n'y a pas vraiment de changement, mais il a autant de chances de s'en sortir que vous. Vous tenez tous les deux de votre père. Votre père nous manquera. Qu'est-ce qui se passe, Sam? C'est notre canal privé. Je le partageais avec lui. Il n'a jamais mentionné ce canal. Ça m'a permis de mieux le connaître. Alec n'aurait pas voulu que nous nous éloignions du but. Pour lui, la peine était un moteur destiné à nous rendre plus forts. Thank you.
Ryder, ravi de vous revoir sur pied. On est sur le Nexus. C'est l'éclaireur de l'initiative Andromède. Les arches Asari, Galarienne et Turienne devraient être là aussi. J'espère qu'elles ont eu plus de chance. Le voilà. Ça a l'air presque aussi grand que la citadelle. Contrôle du Nexus, ici l'Arche Hyperion. Permission d'amarrer. Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique. Personne ne répond. Eh bien, qu'ils le veuillent ou non, on est là. Allons-y. Les travaux devraient déjà être terminés. Ça pourrait être pire. Vraiment ? L'Habitat 7 est un échec. On s'est battu avec les premiers aliens rencontrés, et notre pionnier est mort. Tout est en ordre. Procédure d'amarrage lancée. Ok. Je nous ai amenés ici. Bonne chance, pionnière. Ça va aller, Ryder ? Le capitaine vient de m'appeler pionnière. J'ai encore du mal à le croire. Respirez un bon coup. Je n'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. C'est lui qui aurait dû être là. Mais en l'occurrence, vous êtes là à sa place. Vous devez simplement décider de ce que vous allez faire. Par où je commence ? Je sais pas si je suis prête. On n'était pas prêt à faire de la chute libre sur l'Habitat 7 non plus, et on a survécu. C'est vrai. Note pour plus tard, toujours garder un micropropulseur sous la main. Camarades, nous y voilà. À tout le personnel de salle, rejoignez-vous. Informez vos équipes que la procédure d'amarrage est faire du bien de voir des visages amicaux pour une fois. Le Nexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux Arches. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Vous croyez vraiment ? Après ce qu'on a traversé, une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Nous y voilà. Je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous ? C'est bizarre quand même. C'est comme si tout était en veille. S'ils veulent nous faire une surprise, c'est réussi. Bonjour. On est de l'Arche Hyperion, et on se demande où sont passés tous les autres. Est-ce qu'il a entendu ? Une arche, vous dites ? Oui, on vient d'arriver. Mais on vous croyait tous morts ! Quoi ? Ou prisonniers ? Ou perdus dans l'abîme ? Ou... Mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je n'en reviens pas. Je suis Terran Kandros. Je dirige notre milice sur le Nexus. Moi, c'est Ryder. Voici Cora Harper et Liam Costa, qui font partie de mon équipe. Désolé pour cette confusion. Nos capteurs nous ont prévenus de l'arrivée d'une arche, mais il arrive qu'Aleus brouille les équipements. On a pris votre signal pour une défaillance. Mais vous ne nous attendiez pas ? Vous êtes la première arche qu'on voit. Après un an d'attente et aucun signe des autres, on a fermé cette zone et abandonné les recherches. Ça fait un an que vous êtes bloqué ? Plus. Venez, je vous expliquerai en chemin. Tout ce qui pouvait mal tourner dans notre plan a mal tourné. On est arrivé il y a 14 mois, et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire, qui nous a dévié de notre trajectoire.
on y a eu droit aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau. On a perdu des sections entières de la station. Beaucoup de gens sont morts. Pas d'électricité, pas de nourriture. Le chaos a duré des mois. Ça a fini par déclencher une rébellion armée. Quand l'ordre a été rétabli, les rebelles ont été bannis. On les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre ? Loin de là. Mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière nous. Pas de nouvelles des autres pionniers ? On y est. Allez-y, je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai ? On nous a dit de venir en rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir débarquer enfin une arche ? Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'Hyperion au circuit électrique. L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance. Je suis Jarun Tan, directeur de l'initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Pour nous aussi. Notre voyage a été des plus chaotiques. C'est un plaisir de voir enfin des visages amicaux. Des visages affamés. Tout ravitaillement serait grandement apprécié. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier ? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort ? Comprenez bien, c'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné, un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provisions. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre. Un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'une pionnière. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable ? Mon père savait ce que c'était d'être pionnier. Il ne m'aurait pas choisi s'il ne m'estimait pas à la hauteur. Votre père ne sera pas là pour réparer vos erreurs. Eh bien, quelle hospitalité ! Nakmorkesh, gardienne de la station. J'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel, mais l'heure n'est pas à la formation sur le tas. Au moins, notre pionnière semble prête à essayer. Un point de vue différent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serai ravi de régler les détails avec votre associé. Bienvenue sur le Nexus. Je vous remercie d'avoir pris ma défense. L'espoir est une denrée rare par ici. Chaque lueur qu'on trouve doit avoir sa chance. Chef, le cœur de l'Hyperion est connecté. Je veux vous montrer quelque chose. Il y a une heure, tout ça, c'était noir. Maintenant, c'est l'énergie de votre vaisseau qui garde les lumières allumées. Vous avez une vote. Et quand les réserves seront à sec ? Vous devriez aller voir Monsieur Tan, pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Et ne soyez pas timide. Passez me voir à l'occasion.
ma belle. On va bien s'entendre tous les deux. Je vais te refaire une beauté et tu seras sur pied en un rien de temps. Je n'ai qu'à te... Voilà l'habitat 7, la planète qu'on a trouvée. Absolument invivable. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. Ryder, nous discutions de votre prochaine expédition. Bien, je commençais à me demander qui commandait ici. La directrice Addison a le droit d'avoir son avis, mais le mien prévaut. Elle est au courant ? C'est moi qui dirige l'initiative, et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves. Ce fléau nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle ? Il n'était pas là à l'époque de notre départ, mais il a rendu tous les mondes en or inhabitables. Il y a aussi les aliens que vous avez vus, les Kert. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la Voie lactée. Le défi maintenant va être de coloniser un monde malgré tout ça, celui-ci. Eos. Comment ? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons. Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler de ressources pour soutenir le Nexus. Tout repose sur ça. Il y a 6 mondes que nous espérons coloniser. D'accord, mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Comment je peux... Une bonne pionnière se ferait un plaisir de relever un tel défi. Bon, je crois que j'ai des choses à faire. Donc, si j'échoue, ça ne vous posera aucun problème et vous aurez juste à trouver un autre pionnier, c'est ça ? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Je crois surtout que vous avez besoin de moi. Si je réussis, les gens vous verront enfin comme le dirigeant que vous faites semblant d'être. Mais pour cela, vous devez d'abord devenir la pionnière que vous faites semblant d'être. Où est mon vaisseau ? Il est en préparation dans la baie d'amarrage. Les coordonnées d'Eos seront dans l'ordinateur. Et quand vous aurez un moment, j'aimerais discuter des arches disparues. Je me demandais ce qu'il en est... Ah ! Ça ne va pas ? Ryder, venez me voir au bloc SAM sur l'Hyperion. Je dois m'occuper de votre implant et nous devons parler d'une affaire confidentielle. Si, si. Ça va. Ryder, vous ne me voyez peut-être pas du meilleur œil, mais je tenais à vous exprimer mes condoléances pour votre père. Je vous remercie. Je ne le connaissais que très peu, mais je sais qu'il a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'initiative. Je suis sûr que les arches qui ne sont toujours pas arrivées l'inquiéteraient. Vous savez où elles sont passées ? Je n'ai rien de concret, mais avec des dizaines de milliers de colons manquant à l'appel, l'initiative ne se présente pas sous son meilleur jour. Souhaitiez-vous me demander autre chose ? Vous avez d'autres informations concernant les arches qui ont disparu ? Non, et c'est bien ce qui me préoccupe. Les arches Asari, Turienne et Galarienne se sont complètement volatilisées. Si elles ont rencontré les mêmes problèmes que nous avec le fléau, je crains le pire. Creusez toutes les pistes que vous trouverez. Sans les autres arches, la mission de l'initiative est vouée à l'échec. Est-ce qu'on attend encore d'autres arches ? Les Cariens devaient faire partie de la première vague. Mais avant leur départ en 2185, ils ont rencontré des problèmes techniques avec leur vaisseau. Apparemment, ils devaient aussi embarquer les Drell, les Anari et d'autres espèces encore. Tous ces besoins biologiques différents leur ont compliqué la tâche. Nous ne les verrons pas arriver avant quelque temps. On dirait que le Nexus a rencontré quelques problèmes, non ? Officiellement, je dirais que nous nous en sommes bien sortis. Mais de vous à moi... C'est un vrai désastre. Le fléau nous a fait subir de lourdes pertes, dont la plupart de nos dirigeants. Même la fondatrice de l'initiative, Jean Garson, est décédée. Comment est-ce que Jean Garson est morte ? Avec le reste des dirigeants. Quand le Nexus a heurté le fléau, un grand nombre de modules de stase ont été détruits. Ils ont été tués sur le coup.
Ces gens ont voyagé pendant 600 ans et ils sont morts avant d'avoir pu ouvrir l'œil. Jean Garson n'a même pas eu l'occasion d'apercevoir Eleus. Elle n'aura jamais vu sa vision prendre corps. Kandros a parlé d'un impact avec le fléau. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Certains malfrats ont profité de l'urgence pour faire régner la terreur parmi les civils. Une révolte s'en est ensuivie. Nous avons été contraints de laisser les Krogan se charger d'eux. Ils ont écrasé la mutinerie et les malfrats ont été expulsés. Je pense que ces exilés referont parler d'eux. Leur chef est une hors-la-loi appelée Sloane Kelly. Elle était l'une des nôtres, avant tout cela. Qui est cette Sloane Kelly ? Elle était responsable de la sécurité du Nexus. Au départ, elle s'est opposée à la révolte, mais elle a fini par embrasser la cause des traîtres. Une compassion mal avisée pour la situation désespérée des petites gens. Absurde. Ils représentaient une menace directe pour notre existence. Je n'ai pas vu beaucoup de Krogan à bord. Tant mieux. Les Krogan ont exigé plus d'importance dans les affaires politiques. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ont tout dans les bras, rien dans la tête. Le combat et les tâches physiques leur conviennent mieux. Comme ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Pourquoi vous n'aimez pas les Krogan ? Comme chacun le sait, leur espèce est violente et ignorante. Autrefois, ils se sont lancés dans une guerre nucléaire qui a dévasté leur planète. Mon peuple a voulu les éduquer, mais les Krogan n'ont jamais pu réprimer leurs pires instincts. Un tempérament pareil dans Andromède. Cela sonnerait notre fin à tous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'initiative ? C'est la plus grande migration que nous ayons jamais entreprise. La première fois que nous nous aventurons hors de la Voie lactée. Nous sommes tous partis en quête de liberté, de richesse, ou peut-être d'un nouveau départ. Nous sommes les représentants les plus braves de nos espèces. J'espère que le Nexus sera le siège de notre gouvernement à tous. Qu'est-ce que vous savez sur les débuts de l'initiative ? Il est de notoriété publique que l'initiative a vu le jour grâce à Jean Garson. C'était une entrepreneuse sur Terre, riche, jeune pour une humaine. Garson a eu l'idée de l'initiative au début des années 2170, il me semble. Bien des gens estimaient qu'il était impossible de quitter la Voie lactée. Mais elle a persévéré. Et comme souvent, quand il est question de grandes idées, les sceptiques avaient tort. Qu'est-ce qui a poussé la plupart des gens à venir, selon vous ? Chaque colon avait ses propres raisons de venir. Je pourrais vous trouver des milliers d'explications. Mais tout pèlerin recherche généralement le bonheur. Ce petit quelque chose qui leur échappe, qui les comblera. Nous ne pouvons pas leur promettre de réaliser leurs rêves, mais nous pouvons au moins les aider à s'en rapprocher. Le Nexus est plutôt cosmopolite ? Le Nexus abrite plusieurs espèces de l'initiative. De nombreuses personnes ont fait le déplacement avant les Arches. Nous espérons faire un jour de cette station le siège de notre gouvernement dans Andromède. Même si je ne suis pas certain de comprendre pourquoi des Krogan sont aussi là. Étant galarien, je ne les ai jamais portés dans mon cœur. Et pour l'instant, rien ne m'a encouragé à changer d'avis. Si vous êtes le directeur de l'initiative, ça veut dire que vous êtes le responsable ici ? Si on me laissait faire mon travail. Les autres ne me considèrent pas comme le successeur légitime. Alors comment est-ce que les choses arrivent à fonctionner ? En théorie, Kesh s'occupe des opérations physiques du Nexus, Kandros gère la milice et Addison les affaires coloniales. Je supervise le tout. En pratique, nous débattons, ce qui consiste à hurler les uns sur les autres jusqu'à parvenir à une décision. Les bonjours. C'est exaspérant. Pourquoi est-ce que vous leur posez problème ? Parce que je ne suis pas Jean Garson. Notre fondatrice était charismatique, excentrique. Un vrai personnage. Je n'ai pas autant de personnalité. Le fléau a eu raison d'elle et de son entourage. D'autres dirigeants ont été tués par les exilés et certains ne sont jamais sortis de stase. J'étais assistant adjoint à la gestion des finances et mes 7 supérieurs hiérarchiques sont morts. J'étais le suivant dans la liste. Alors, vous êtes comptable ? Ne vous y trompez pas. Nous avons tous un potentiel que nous n'imaginons même pas. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par l'exploration spatiale. En avançant dans la vie, j'ai suivi une autre voie. Quand j'ai entendu parler de l'initiative, j'y ai vu une deuxième chance d'emprunter ce chemin. Je n'explore peut-être pas de nouveaux mondes, mais c'est grâce à moi que vous en avez la possibilité. C'est vrai. Pardon. De quoi il faut que je tienne compte afin de rendre une planète viable ?
À supposer que la vie puisse exister sur une planète donnée, un avant-poste est essentiel. Les gens ont besoin d'avoir un toit et d'être en sécurité. Éliminer toute menace, qu'elle vienne des Kert ou d'autres terreurs qu'Eleus nous réserve. Les massacres de colons font beaucoup de tort au moral. L'exploration et la cartographie sont des priorités dans votre travail de pionnière. Et n'oubliez pas les stations avancées. Elles vous seront utiles. Vous pouvez m'en dire plus sur les stations avancées ? J'avais peur que vous me posiez cette question. Tout ce que je sais, c'est ce que les techniciens m'ont expliqué. Une station avancée permet d'effectuer des extractions, de réparer du matériel et de réapprovisionner des équipes sur le terrain. Ça semble idéal. Mais étant donné que la colonisation a échoué jusqu'ici, tout cela n'est que théorique pour l'instant. Vous allez essuyer les plâtres, Ryder. Ce sera tout. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Comme vous l'avez dit, nous devons nous entraider pour assurer l'avenir de tous. Non, ce n'est pas ce que nous voulions. Bon, que s'est-il passé ? Hein ? On dit comment ? Et je vous parle de votre père. Pardon, c'est la fatigue, à force de m'occuper de tout. Pour l'instant, j'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec. Pas comment il est mort, j'ai regardé les registres. Mais je voudrais savoir ce qui est arrivé à notre pionnier. Sur le moment, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Mais j'ai l'impression que mon père a toujours eu dans l'idée de me transmettre ce rôle. Ce n'est pas un titre héréditaire. Si nous voulions une monarchie consanguine, nous aurions laissé la moitié de notre patrimoine génétique chez nous. Dans la Voie lactée, je veux dire. C'est ici, chez nous. Ce chantier. Je crains que nous n'ayons guère le choix, Ryder. Espérons que vous donniez raison à votre père. Mais après 14 mois de colonisation ratée, pardonnez-moi si je n'y compte pas trop. Quelle est votre place à la tête du Nexus ? Je supervise les efforts de colonisation. Le nombre d'avant-postes étant actuellement plus bas qu'escompté, mon influence est limitée. Tan se fait un plaisir de me le rappeler. J'ai quitté une carrière respectable de directrice générale, dans une capitale provinciale. Seule une nouvelle galaxie pouvait m'y faire renoncer. Et voilà où cela m'a menée. Au chômage. Vous avez appelé mon père Alec. Personne ne l'appelle comme ça. C'est sa vision qui a convaincu la plupart d'entre nous de rejoindre l'initiative. Ce qui nous en a dit, en tout cas. Vous étiez amis, ou bien... Je ne suis pas votre belle-mère, si c'est votre question. Je n'étais pas non plus son amie. Il m'en voulait de ne pas l'appeler par son titre, mais n'est pionnier que celui qui a vraiment découvert quelque chose. C'est un peu comme une directrice de la colonisation sans colonie. Un plan a bien dû être établi en cas de rencontre avec des aliens hostiles. On n'était quand même pas aussi naïfs. Nous pensions trouver de la vie, pas un ennemi qui refuse de parler. Ils n'attaquent pas, ils désinfectent. Ils nous prennent pour des bactéries. Pardon, après 14 mois... Le lyrisme, c'est tout ce qu'il nous reste. C'est vous dire. Allez voir Kandro si ce n'est pas déjà fait. C'est lui qui dirige notre armée, malheureusement. Dès qu'il s'en rendra compte, ce sera fini pour nous. Vous ne lui faites pas confiance ? Pour nous défendre, si. Mais je me méfie d'une influence militaire grandissante dans une initiative soi-disant civile. Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, Ryder. Pas pour qu'elle se répète. Encore une envolée lyrique, pardon. Il y a aussi cette technologie étrange. Quelqu'un l'a étudiée ? Nous avons essayé, pas moi, nos savants. Ils sont censés savoir ce qu'ils font. L'excuse du moment, la technologie trouvée sur Mars était plus avancée, mais prête à l'emploi. La technologie d'ici, elle, pense différemment ? Je ne sais pas, nous avons gardé nos distances jusque-là. Et vu ce que disent les registres de l'Hyperion sur Alec, c'est sûrement mieux comme ça. Vous n'avez établi aucune colonie en plus d'un an ? Vous avez fait combien d'essais ? Pas autant que vous le pensez. Le fléau, les mondes hostiles, les exilés, les ennemis. Il ne s'agit pas seulement de poser nos valises quelque part. Nous avons besoin de la pionnière et de Sam pour explorer, évaluer et inspirer. L'initiative a fait une promesse, mais Andromède refuse de coopérer. Et si elle coopérait ? Un beau tissu de conneries utopiques. Nous aurions des colonies prospères, le Nexus serait la nouvelle citadelle. Tan ne serait pas directeur. Moi non plus. Excusez-moi, madame la directrice. Ryder ? Pionnière. Ryder,
Nous mourrons de faim ici. Sans avant-poste pour nourrir l'initiative, autant être mort depuis 600 ans. Alec a fait beaucoup de promesses. Je n'en ai pas vu la couleur. Voilà ce qui vous attend. Les gens ne vous feront pas confiance. À commencer par moi. Prouvez-moi que j'ai tort. À tout le personnel, prenez garde à toute activité suspecte. La sécurité est en alerte élevée. À l'attention des ingénieurs, nous travaillons sur un raccord à l'alimentation de l'Hyperion. Vous voilà. J'espère que les autres ne vous malmènent pas trop. On a beaucoup de travail devant nous. Au moins, on va pouvoir avancer plus vite maintenant qu'on est relié au générateur de l'Hyperion. J'ai remarqué que ça manquait de Krogan à bord. Tan, demandez-lui pourquoi la majorité de mon peuple est partie. Il aura son avis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un accord a été passé au moment de la mutinerie. Mon clan devait calmer les choses et, en échange, avoir voix au chapitre de l'initiative. L'accord n'a pas été tenu ? Le clan a tenu parole, mais Tan a paniqué quand il a découvert qu'on voulait avoir notre mot à dire à bord. C'est alors que l'assistant d'Addison, Spender, a fait mine de n'avoir jamais conclu ce pacte. C'était du grand n'importe quoi. Et je comprends que mon peuple ait claqué la porte. On s'est assez servi de nous comme ça. Si votre clan est parti, pourquoi vous êtes resté ? C'est compliqué. La station a besoin de moi ici, et mon clan aussi. Quel genre de problème vous avez constaté sur le Nexus ? C'est un vrai merdier, disons-le comme ça. Des arches ont disparu, des abrutis ont essayé de se mutiner et de prendre le pouvoir, puis d'autres abrutis ont insulté mon clan, qui est parti. Et pour couronner le tout, Jean Garson, la fondatrice de l'initiative, a été tuée. Qu'est-ce qui est arrivé à Jean Garson ? Elle a été tuée pendant l'incident du fléau, avec un bon nombre d'autres dirigeants. Tan en sait sûrement plus. Moi qui pensais que ça s'était mal passé sur l'Hyperion en arrivant. Autre chose ? On ne peut pas établir d'avant-poste parce qu'on manque de ressources et de main-d'œuvre, ce qui rend Addison plus tendu que jamais. Et je ne parle même pas des dégâts que la station a subis en arrivant. Mais d'après certains, ce n'est qu'un détail. Mon équipe répare ce qu'elle peut, mais si on ne trouve pas du matériel rapidement, ça va dégénérer. Et vite. Quand on a quitté la Voie lactée, le problème du génophage n'était toujours pas réglé. Ah oui, le génophage. Un petit cadeau que les Galariens nous ont fait il y a quelques millénaires. Ce virus qu'ils nous ont inoculé nous empêche d'avoir des enfants. Seulement 1 sur 1000 survit à la naissance. Ça ne m'étonne pas que vous ayez du mal à vous entendre avec les Galariens. Certaines blessures restent vivaces, même si mes ancêtres l'avaient bien cherché. Ils ont voulu conquérir la galaxie et les Galariens ont dû réagir. Et on ne devrait pas les considérer comme seuls responsables non plus. Les Galariens ont créé le virus, mais ce sont les Turiens qui l'ont répandu. J'espère qu'on pourra faire table rase. On a tous des choses à se reprocher, mais Andromède représente un nouveau départ. Les miens ont besoin de ça. C'est pareil pour les Krogan d'Andromède ? Il n'existe aucun remède, mais mon clan a commencé à développer une mutation, une résistance naturelle au virus. Les Krogan ont suivi des thérapies géniques pour renforcer cette mutation pendant qu'on était en stase en attendant d'arriver ici. Donc, vous avez profité de ces 600 ans pour laisser plus de temps à vos défenses naturelles de se développer. Oui, c'est encore tôt, mais je pense qu'on tient quelque chose. D'après nos scientifiques, on atteint une viabilité de presque 4%, ce qui est déjà bien mieux qu'au départ. Et ça veut avant tout dire plus d'enfants Krogan en vie. Ils sont notre seul espoir d'avoir un avenir dans cette galaxie. Quel est votre rôle en tant que surintendante ? J'ai fait partie de l'équipe qui a conçu et construit cette station. Je m'assure qu'elle reste fonctionnelle. Enfin, autant que possible dans ces circonstances. Ce sera tout. À plus tard. Oui, je sais que la... Le barrage inopiné de l'Hyperion a fait sauter des fusibles. C'est pas grave. Je m'en fiche. On sait que le problème est plus compliqué qu'on le pensait. On y travaille, c'est tout ce qui compte.
La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement... Hé, vous allez bien? Ça va. Mes bras ont encaissé le plus gros. Ça arrive souvent, ce genre d'explosion? Juste après la mutinerie, c'était plutôt fréquent. Mais ça n'arrivait plus ces derniers temps. Je n'étais pas là pendant la mutinerie. Vous avez bien de la chance. Franchement, je pensais que c'était terminé, que j'étais juste un peu parano. Qu'est-ce qui vous rend parano? On a eu 3 dysfonctionnements la semaine dernière. Pas génial, en effet. Oui, bon, c'est très grave, même. Ouais. Oh. Et ça me fait encore plus de réparations au programme. Vous en avez parlé à la sécurité? Pardon? De ce que je sais, c'est un membre de la sécurité qui est derrière tout ça. J'ai examiné toutes les onarisses qui me venaient à l'esprit. Mais je sais plus à qui je peux faire confiance. On dirait qu'il s'est passé bien des choses avant que l'Hyperion arrive à quai. On peut dire ça. Attendez, mais oui! Vous, vous êtes forcément hors du coup. Vous n'étiez même pas là pendant la mutinerie. Est-ce que... vous pourriez m'aider, si vous avez le temps? S'il s'en prenait au système essentiel? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Ça m'aiderait bien si vous pouviez vérifier les autres panneaux pendant que je répare celui-ci. J'ai indiqué leur emplacement sur votre Omnitech. Envoyez-moi les données quand vous aurez fini. Non, ça va. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Ça a explosé, comme ça. Découpe. Je connais ce regard. Les autres vous ont cassé les pieds, c'est ça? Quelque chose comme ça. Vous vous y habituerez. Concentrez-vous sur votre travail de pionnière. On ne peut pas contester de bons résultats, même s'ils vont essayer. Bref, bienvenue au QG de la milice. Excusez le désordre. On y gère le travail de la milice, la sécurité du Nexus et la recherche de l'Arche Turienne. Vous avez des nouvelles de l'Arche? Des infos par-ci par-là. Certains disent que le Natonos a été détruit, d'autres qu'il y a des survivants. Qui sait? S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir, même si c'est juste pour aller. Qu'est-ce qui vous amène d'Andromède? J'en avais assez d'être le bon petit gars. Le bon petit gars? Dans la famille Kandros, on est militaire par tradition. Ils avaient des attentes, vous connaissez la chanson. Et puis ma sœur s'est mise à la sculpture et la cousine d'Irene est devenue pirate sur Omega. Tout le monde était fier que je reste dans le rang. Mais moi je me demandais quand j'allais enfin avoir mon aventure. Le rêve de Jen Garson était tellement grandiose et audacieux, irrésistible. Vous parlez comme si vous ne faisiez pas partie des dirigeants. Comment vous vous êtes retrouvé à la tête de la milice? J'escortais une équipe de prospection sur une lune, et ces cartes nous sont tombées dessus. Ils nous ont parqués comme du bétail pour leur expérience. J'ai réussi à m'échapper, j'ai attrapé une arme et j'ai libéré les autres. Le temps qu'on tue ces fumiers et qu'on rentre prévenir le Nexus, tout le monde me considérait comme le chef. Ça me rappelle quelque chose. La milice est partie de là. C'est drôle, quand ça commence à chauffer, toutes sortes de gens arrivent au sommet de l'échelle. Comment s'en sortent les autres Turiens? Pas terrible. On n'est pas très doués pour se tourner les pouces en temps de crise. On nous martèle le service avant tout, pendant nos classes. C'est sûrement pour ça qu'on est si nombreux dans la milice. On aime mériter notre citoyenneté, peu importe la galaxie où on se trouve. Mais c'est dur de se concentrer sans nouvelles de notre arche. Qu'est-ce que vous savez sur les ennemis qu'on a rencontrés, les Kert? On les trouve souvent sur les planètes où il y a ces structures aliens. Les Kert n'aiment pas qu'on les étudie. Je sais pas trop pourquoi. Ils ne nous adressent pas la parole. À chaque fois qu'on les croise, il y a un affrontement, où ils font des prisonniers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Personne ne le sait, mais j'ai vu leurs armes, et ce qu'ils font à leurs prisonniers. J'aime autant qu'ils restent le plus loin possible du Nexus. C'est rude sur le terrain, je pourrais avoir besoin de renforts. Si vous pouvez me fournir du monde. J'ai des groupes d'assaut spécialisés en attaque et en extraction. S'il vous faut une bonne puissance de feu, la PEC sera là pour vous aider. En fait, je pourrais vous donner autorité pour les commander. Ça réduirait leur temps de réaction. Merci. Nos opérations en cours sont sur le terminal. Regardez s'il y a quelque chose qui pourrait avoir besoin d'une action décisive.
Au revoir, Kondros. Le devoir m'appelle. On est deux, pionnière. Ça me permet de consulter les missions de groupe d'assaut en cours dans la milice pionnière. Veuillez vous adresser à Terran Kondros pour participer aux missions. C'est une erreur, une terrible erreur. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est injuste, tellement injuste. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ça alors, vous êtes... C'était donc vrai, une pionnière nous a trouvés. Enfin une lueur d'espoir. Vous pourrez peut-être m'aider, comme vous êtes impartial. Cette histoire a pris un tour tellement politique. Mon mari, il est en prison et il va être exilé, pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a été condamné pour quoi, au juste? On n'encourt pas l'exil pour une petite infraction. Enfin, avec eux, sait-on jamais. Il l'accuse de meurtre. Il l'appelle le premier assassin d'Andromède. Mais la victime était son amie. Il n'aurait jamais... Il y a des témoins et des preuves, mais seulement indirectes. Au pire, c'était un accident. Il s'appelle Nilken Rensu. Il pourra vous donner tous les détails, si vous voulez bien lui parler. S'il vous plaît. Je vous aiderai volontiers. Oh, merci. Je suis sûre que le gardien vous laissera lui rendre visite. Dites à Nilken que je l'aime. S'il vous plaît. Ils emmagasinent peut-être l'oxygène dans des tissus poreux, comme la rascasse de Kero. À mon avis, leurs armures sont équipées d'appareils respiratoires. C'est peut-être les deux. La vie peut s'adapter à l'infini, comme le démontre notre expédition. Vous devez être la pionnière. Merveilleux. Vous et votre Sam, vous êtes exactement ce qu'il nous fallait. Merci. Monsieur ? Professeur Eric. Mes collègues et moi travaillerons avec votre Sam et les données que vous collectez pour percer les mystères d'Andromède. Vous étudiez quel domaine? Eric, c'est la biologie. Moi, la géologie et l'océanographie. L'eau et les cailloux, en gros. Et Aridana est notre experte des maths et de l'espace. On n'a pas eu grand-chose à étudier, malheureusement, vu que tout le monde est cloîtré là depuis 14 mois. Mais vos données sur le fléau sonnent comme une douce poésie, dont nous allons pouvoir nous inspirer pour réparer les dégâts qu'il a causés. Et peut-être qu'Addison nous donnera notre propre espace de travail. On ne peut pas réfléchir avec tout ce bazar. Pionnière, pour brouiller les pistes, le saboteur surcharge ce panneau depuis un autre relais d'alimentation. Vous pouvez scanner le câblage afin de remonter jusqu'au panneau de substitution. L'équipage du Tempête est
scanner le câblage pour localiser le panneau de substitution utilisé par le saboteur. Votre attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées. Très bien. Ensuite, les amarres. Intégrité du module d'amarrage. Scan des jonctions d'alimentation en cours. Ce panneau est défectueux. J'ai besoin de plus de données pour déterminer si la panne a été causée par un sabotage ou non. Je vais couper le courant en attendant que Raj puisse y jeter un œil. Attention à tous, les procédures d'amarrage de l'île. Pionnière, Sam m'a envoyé des données. C'est bel et bien du sabotage. Une idée de qui ça pourrait être? Ouais, c'est Zara qui a travaillé sur tous ces panneaux. J'ai du mal à le croire. Les vidéos de surveillance confirment l'intervention de Zara Kilus sur ces panneaux, ainsi que celui dont Raj Patil s'est occupé. Et merde, tu sais où elle est en ce moment? Kellus travaille actuellement sur un panneau du niveau principal de l'Hyperion. À l'attention des ingénieurs, nous travaillons sur un raccord à l'alimentation de l'Hyperion. Toutes les autres tâches de réparation sont mises en attente jusqu'à ce que le couplage de l'alimentation soit effectué. Zara Kellus? Oui? J'ai des preuves indiquant que vous avez saboté le Nexus. Quoi? Non! Jamais de la vie! J'enquête là-dessus, moi aussi. J'ai des scans pour le prouver. Attendez, je vais les transférer à votre Omnitech. C'est marrant. Raj enquêtait sur la même chose et ses pistes nous ont menés jusqu'à vous. Et mes scans accusent Raj. Alors à moins que quelqu'un nous tende un piège à tous les deux, je ne comprends pas du tout. Les données rassemblées par Mademoiselle Kellus sont étrangement semblables à celles de Monsieur Patil. Une tierce personne est probablement impliquée. Le véritable saboteur pourrait essayer de vous faire accuser tous les deux. Parce qu'on a tous les deux remarqué quelque chose de louche? Ça serait logique. C'est toujours mieux que d'imaginer Raj en coupable. Enfin, ça veut aussi dire que toutes mes données sont inutiles. Si j'avais accès aux caméras de surveillance, je parie qu'on pourrait trouver quelque chose. Ne faites pas de vagues. Il ne faut pas que notre cible comprenne qu'on est sur sa piste. Je vais aller jeter un œil aux caméras de surveillance. Raj, vous me recevez? Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment elle? Non, elle avait des preuves qui vous accusaient. Je pense que quelqu'un s'amuse avec vous deux. Faites profil bas et n'en parlez à personne. Je m'occupe de tout. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de...
plages de l'Hyperion. Ce fichier n'est pas utilisable. Essayons-en un autre. Encore un fichier corrompu. Une coïncidence serait peu probable. Essayons-en un autre. Ce fichier aussi est corrompu. Aucun doute, ce n'est pas une coïncidence. Il faut un niveau d'accréditation assez élevé pour pouvoir pirater ces caméras. Quelqu'un qui travaille avec Kandros, peut-être. C'est le scénario le plus probable. Tu crois pouvoir tirer assez d'informations de ces fichiers pour trouver une correspondance avec les scans biométriques, Sam ? Les fichiers sont difficilement exploitables, mais si je rassemble tous les marqueurs disponibles, il y a une petite chance. D'après le peu d'informations dont nous disposons, nous recherchons un humain affecté soit au Nexus, soit à l'Hyperion. Vous allez devoir effectuer les scans de près. Compris. À l'attention des ingénieurs, nous travaillons sur un raccord à l'alimentation de l'Hyperion. Pas de correspondance. Vous étiez dans la police ? Quel secteur ? Mars. Le site Bradbury, près de la bande verte. Ça va pas durer longtemps. Correspondance négative. À l'attention des ingénieurs, nous travaillons sur un raccord à l'alimentation de l'Hyperion. Toutes les autres tâches de réparation sont en attente jusqu'à ce que le couplage de l'alimentation soit effectué. Correspondance négative. Les résultats du scan montrent une correspondance partielle. La cible est suspecte. Qui c'est ? Del Atkins. Il travaille dans le service de Kandros, chargé de la sécurité de la station. Dale Atkins, il faut qu'on parle. Écoutez, je ne veux pas être désagréable, mais j'ai du travail. On sait ce que vous faites. Arrêtez tout de suite. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je fais mon boulot, c'est tout. J'ai des preuves de vos manigances. Ben voyons. Ne vous foutez pas de moi. Vous êtes tous des hypocrites sur cette station. Vous n'étiez pas là quand ils ont expulsé nos proches. Une mutinerie, tu parles. On voulait juste des réponses. Ma sœur est là, dehors, et je ne sais même pas si elle est en vie ou... Je suis désolée pour ce qui s'est passé, mais ce n'est pas avec des explosifs que vous arrangerez les choses. Et envoyer des gens en exil parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique, ça n'a rien arrangé non plus. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Les chefs de la mutinerie étaient en droit de demander ce qui se passait. Vous auriez pu blesser des gens, les tuer même. Comme ceux qui se sont fait écraser par les Krogan sur ordre des dirigeants ? J'ai plus rien à dire. Oui, c'était moi. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi d'en décider, mais aux dirigeants du Nexus. Eux, prendre une décision, ce serait une première.